Je vois cette plante comme si elle essaie de me narguer. Comme si elle essaie de se moquer de moi. Comme si elle essaie de m'insulter. Ainsi que ma mère. Non mais franchement, pour qui se prend celui-là? Spider Mooney, c'est qu'une plante. Et alors, les plantes sont des êtres. Bah... Il n'y a pas de bas. Je vais le fixer, puis lui donner une gifle. Spider Mooney. Quoi? On est concentré sur la quête. Bah et alors, faudrait que je me mets à baguerrer avec cette plante. Mais les plantes ne sont pas faites pour ça. Ah oui, alors. Bon, sinon, pour la forêt, on y est arrivé. C'est ça une forêt? Il aurait pu être crédible. Oh tiens, salut, hein? Hein? Ça faisait longtemps. Hé, hey, mais c'est Rigby! Ouais! Est-ce que ça va? Bah oui! D'après ce que je viens d'entendre, vous voulez entrer dans la forêt. Ouais, mais pourquoi faire? Pour chercher une pomme! Parce que, d'après ce qu'on m'avait expliqué, la pancarte, mais il n'y avait même pas de pancarte, on l'appelait la forêt des pommes. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous voulez chercher un élément? Ouais, exactement. Ah bah c'est pas la peine, il y en a beaucoup d'éléments, hein? Quoi? Bah oui, c'est évident, pourquoi est-ce que la forêt est vraiment simple à trouver? Pas seulement pour la carte, mais en plus pour les éléments, il est trop simple. Ah, ça explique pourquoi est-ce que Princess Shuigun, vous avez cité la forêt en premier. Ah, ça a l'air vraiment très facile. Ouais, exactement. Et si je résume bien, les pommes se trouvent dans les arbres. Exactement, Captain Obvious. Il vient d'insulter ma yana de Captain Obvious. Pshaw! Bon, sinon, je tiens aussi à vous prévenir qu'il y a aussi un créature très 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 chiant et pas cool. Mais enfin bref, si vous voulez entrer dans la forêt, eh ben évitez Bambi. Bambi? De Fortnite? Non! Bambi de Disney! Attends, Bambi... Disney vient de racheter Fortnite? Non mais c'est chiant avec les rachats, avec les paniques, franchement ça devient n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi je me promenais, j'essaie de chercher Mordecai mais j'arrive même pas à trouver. Et il est où, Bad Jake? Bah de toute façon je sais même pas où est-ce qu'il est mais il m'a insulté tous les noms et franchement il est vraiment pas cool du tout. Bref, je vous souhaite pas de chance pour la quête et moi je vais chercher Mordecai partout parce que là être tout seul tout le temps ça devient chiant à bon à maman. Oh, ça va, demoiselle. Je sais. Ça va? Rien cassé! Enfin, à part mon moral. Je pense que ça va. C'est trop nul! On n'en trouve même pas de pommes! Ouais, parce que tu empestes tellement. Les pommes ont décidé de s'enfuir. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que vu ton caractère de cochon, eh ben, ils décident de s'enfuir. Bon, arrêtez de disputer. Je comprends absolument même pas. Rigby, vous avez bien dit que les pommes sacrées sont simples à retrouver. Mais comment ça se fait? Ah, toi, tu me demandais? Hein? Oui, je suis Bambi. On m'avait dit que tu es chiant. Ah bah ouais, je le suis quand même. Vous devez faire du sport. Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes maigre. Vous n'avez même pas de muscles. Toi, tu la mets en mieux. Moi, j'ai des muscles. Ah ouais? Prouve-le-moi. Ah bah, c'est facile. Deux minutes. Bambi, toi qui es dans la forêt, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont tous les pommes? Les pommes, tu me dis bien? Ouais. Ah bah, ça tombe bien, je sais où est-ce qu'ils sont. Ah oui? Ça! Encore une kinder surprise? Non, on parle d'une pomme.
Ça? Non, on parle d'une pomme. Ça? Ok, maintenant je comprends mieux. Pourquoi est-ce que Rigby nous a dit que tu es chiant? Moi? Chiant? Comment peux-tu dire cela? C'est celui qui dit qu'il est. Voilà. Ok, Bambi, que l'on soit clair ou non, on veut pas de Kinder Surprise ou bien de cuillère, quoi comme ça. On veut une pomme. Bah, c'est ce que je vous ai montré. Faudrait quand même être content. Ok, d'accord, je me calme. Parce que déjà, il y a la princesse et elle ne supporte pas à ce qu'on soit violent. Ouais, parce que Mayona et Spinner Mooney qui te voient, ça devient vraiment, vraiment pénible. Quoi, Zelda? Ne me dis pas que moi, Mayona, qui est aussi une fille, tu trouves que ma façon de battre contre Spinner Mooney est chiant et pénible? Bah, je supporte pas vraiment la violence. Mais enfin, dans Zelda Wind Waker, il y avait de la violence, ainsi qu'un Spirit Train, si ça te cause aucun problème. Bah, j'aimerais bien battre contre le mal, oui, mais disputer, chamailler, c'est vraiment perturbant. Ah bah, bravo, monsieur, tu l'as fait vexer. Quoi? Pourquoi tu oses dire que je suis un monsieur? Tu n'as même pas de cheveux longs. Quoi? Et pourtant, je porte une jupe. Et pourtant, tu portes un pantalon, un short. Non, Mayona, ne pète pas de câble! Ne pète pas de câble! Non! Oh! D'accord, je vais vous le dire, où est-ce qu'il a la pomme? Je vais vous le dire! Ah! Une bonne chose de faite! Bah quoi? La vérité, c'est que la pomme a été gardée par un torboyau! Un torboyau quoi? Le torboyau là, c'est que tu parles, ce serait pas celui de Jake? Exactement. Non, pas Bad Jake, pas lui. Oh, c'est qui Bad Jake? Ça doit être... Attends, comment ça se fait que tu connais même plus Bad Jake? Bah, vous ne m'avez même pas en parler. Oh, bon, pas bref, ce que je tiens à vous prévenir, c'est qu'il est vraiment, 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 vraiment irritant. Et que pour partager avec une pomme sacrée, faudrait vous souhaiter bonne chance. Ça, c'est toi qui as raison, pour une fois. Parce que quand j'ai vu Bad Jake pour la première fois, elle était vraiment, 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 vraiment irritante que Bambi. Ah bon? Ouais. Mais alors, comment va-t-on faire pour négocier alors? Eh Bambi, est-ce que je peux prêter un de tes Kinder Surprise? Une pomme? Bah oui, bien sûr. Je sens que je vais tomber dans les pommes, à force de qu'on parle de pommes. Très bel jeu de mots, hein? C'était pas une blague! Je vais vraiment le faire! Ah bon? Oh! Tu vois, même au niveau humour, tu ne sais même pas capable de le tenir! Qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Que t'es même pas drôle! Spider Bunny! Pas drôle? Bah. Ouais! Mais Spider-Man ne fait que des bonnes blagues. Est-ce que t'as vu les Amazing Spider-Man ou bien Spider-Man ou... Non, c'était Spider-Man. Toi, t'es Spider-Man. Nuance. Ah non, mais franchement, ils savent même pas partager mon culture. Moi, je trouve que ton humour est vraiment génial. Fais pas ton lèche-botte. Et regardez, et ce sont les pommes. Et une banane. Oh. Franchement, c'est... Eh, je vous ai vu, hein? Oh non, pas toi! Chop! Alors tu es encore de retour, à ce qui paraît. Oh, arrête d'être un gros emmerdeur et donne-nous les pommes! Pas question. Et j'aimerais vous dire un truc, si vous touchez une pomme, eh ben, vous aurez une baffe. Et en plus, j'ai même mis une pancarte dessus. Vous le voyez? Non. Vous le voyez, j'ai dit? Non, désolé. Mais vous n'avez même pas de lunettes. Mais normal, on est loin dessus. Il a marqué Patouche. Patouche quoi? Patouche aux fruits.
Ouais, il y a quand même des trucs qui ne va pas quand même. C'est-à-dire? Bah, il manque une phrase en plus, patouche, mais il n'y a pas de patouche aux fruits. Ce qui donne le fait que Tempo 4 n'a même pas de sens. Est-ce que tu essaies de me dire que tu es en train de critiquer mon pancarte? Ouais. Ah, enfoiré. De toute façon, vous pouvez même pas les toucher. Sauf si on va te battre. Attatatatatata. J'oublie un truc. Si vous essayez de battre, sachez que si vous tombez ici, là, vous vous téléporterez dans un autre lieu. Hein? Un lieu dangereux, avec un gros lard qui va tout vous bouffer. C'est-à-dire? Je vous dirai pas, parce que sinon ce serait même plus une surprise. Et quant à l'autre? Bah, ça ramène à exactement la même chose. Mais sauf dans un petit endroit différent. Oh! Maintenant, dégagez! Ah bah, il nous reste plus le choix. Faudrait qu'on le bat. Mais seulement, si on tombe dessus, on va être emmené dans un lieu dangereux. On fait comment? Mayona, ça va être le moment d'utiliser le sort. Quoi? Bah oui, t'as même pas utilisé le moindre sort. Tu es une sorcière, après tout. Ah, d'accord. Ah oui, pourquoi tu disais même... Mais j'ai dit d'accord. Oh, ok. Pouvoir de boule de feu. Ah ah, c'est même pas... Ça brûle. Ah, eh ben, c'était vraiment rapide. Ah ça, je t'en fais pas dire. Ok, Spider Moody, tu pourrais chercher les bananes en utilisant, bah, les swings. Swing? Ouais. Et le nouveau digico... On s'en fiche de tout ce qui est iconé, quoi que d'autre. Tout ce qu'on veut, c'est une pomme. Oh, toi, la ferme. Oh, ok. Bon, bah, je peux pas faire de swing. Oh, je vais juste prendre ça, hein. Je vais faire une grosse swing. Oh, ça, c'était la meilleure. Ouais, j'avoue. Pourquoi t'as pris la pancarte? Spider Mooney, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regardez, patouche à mes fesses. Je vais les mettre dans un endroit sûr. Vous voulez permettre une seule seconde? Quand on se moque de moi, on se prend une bonne baffe. Ah, bon bah, au moins, on a récupéré une pomme, tout est bien qui finit bien, hein. Quoi? Roll? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, enfin, ma dernière pomme. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu sais pour les pommes? Et comment ça se fait, dernière? Ça, c'est vraiment très évident. Premièrement, vu que j'ai la capacité de téléporter n'importe où, forcément, je peux me téléporter dans la plaine d'automne, ou bien encore la mer, l'océan orageuse, ou bien encore la montagne blanc, sans oublier la plaine d'automne. Et comment tu sais pour notre... Et comment t'as su pour notre plan? Ah bah, dis merci à YouTube avec l'épisode 9. Quoi? Putain! C'est d'ailleurs pour ça pourquoi est-ce que c'est préférable de prendre le téléphone pour avoir des nouvelles. Maintenant, je vais manger une pomme. Oui! Pas tant que moi, Spider Mooney, je prendrai une pomme et... Non! Ma pomme! Alors là, franchement, si tu veux passer... Attends une minute. Spider Mooney est bien tombé dans le trou. On va... Hey, Mayona, t'as pas le droit de frapper Mayona. Il n'y a Spider Mooney, même si bon, c'est vrai que souvent les... Il va falloir que je me téléporte n'importe où. Mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Qu'importe, je dois vite y aller. Oh, les pommes. Oh, quel endou. Chat.